1, 2, 3, 4. Si on dit que c'est bon, là. On est des élèves du lycée Marguerite de Navarre. Et on vient pour présenter un projet qu'on a réalisé tout au long de l'année dans le cadre d'une organisation nationale qu'on appelle Math & Jeans. Réfléchir tout au long de l'année autour d'un problème, un problème général. Et le but, c'est de trouver une solution. Et ben donc nous, on a présenté un projet avec une société d'écureuils qui font un partage un peu particulier. Du coup, ils vont pas mettre tout en commun et puis en donner un à chacun jusqu'à ce que ça s'arrête et qu'il n'y en ait plus. Ils vont plutôt choisir de regarder combien de noisettes à chaque écureuil quand deux se rencontrent. Et du coup, celui qui en a le plus va donner au deuxième autant que celui-ci en a. Par exemple, si j'ai un écureuil qui a 6 noisettes et l'autre qui en a 4, celui qui en a 6 va en donner 4 à l'autre. Et donc après, ils vont faire ce partage jusqu'à ce que ça aboutisse. Une situation d'égalité. Voilà. Jusqu'à ce qu'ils aient le même nombre. Jusqu'à ce qu'ils soient égalité. On part avec un écureuil qui a 6 noisettes et l'autre qui en a 10. Voilà. Donc le premier va en donner 6 au deuxième, puisqu'il en a 6. Voilà. On arrive à 12 et 4. Donc maintenant, il en a 4. Donc... il lui en donne 4. Et là, on peut voir qu'on a bien 8 et 8 de chaque côté. Donc, cette fois, on a réussi. On a une situation d'égalité de nombre de noisettes. Le partage aboutit. Voilà. Et donc, il y avait un deuxième projet derrière nous, un deuxième groupe. En fait, notre groupe était séparé en deux. Un sujet autour d'un jeu de société, de stratégie, avec le but d'établir la meilleure stratégie possible pour gagner.